Et il était 2 heures le matin. Le gars continue à pleurer. La seule personne qui a pu calmer mon ami, c'est la sonnelle. La sonnelle a coupé la lumière à 2 heures. Il y avait l'obscurité, il y avait le monde dans la maison. Tout le monde voulait voir le corps. Chacun sortait comme la souris. Nayo. Nayo. La maison s'est vidée en un clin d'œil. Il n'y avait plus personne. Il restait 3 personnes dans la maison. La veuve, le corps et mon ami. La veuve est restée 50 minutes, une heure de temps. Elle dit que la lumière ne vient pas, que je reste dans l'obscurité, que je mets tout le truc ici. Dans l'obscurité. On n'est jamais resté dans l'obscurité. Elle m'a dit qu'elle décidait qu'elle ne pouvait pas prendre l'air dehors. Elle ne dit pas à l'enfant que je m'en vais prendre de l'air. Et l'enfant se lève, souffle et parle à l'impression, je veux me parler. Je parle encore. Parle à l'impression. L'enfant, elle n'a pas dit à l'enfant que je m'en vais prendre de l'air. Alors, elle ne dit rien à l'enfant. L'enfant, alors, lui-même continue à pleurer. Comme il pleurait, tout le monde le touchait. Que calme-toi, le gars a constaté qu'on ne lui touche plus. Personne ne lui touche. Le gars a ralenti les pleurs seul. Il ralentit les pleurs jusqu'à il ouvre les yeux. Il constate qu'il est face à face avec son père. Il regarde le cercueil, il regarde, il voit son père. Il voit que le père dort avec les yeux fermés. Alors, le gars réfléchit que non, dans l'obscurité, je reste que j'aimais mon père. Moi-même, je sors pour aller prendre de l'air. En sortant pour aller prendre de l'air, le poignet de la porte a arrêté son ami. Le poignet de la porte a arrêté. Le gars a recommencé le dé à zéro. Il a recommencé à pleurer à zéro. C'est là où il dit que papa, il sait que ton vivant, tu ne m'aimais pas. Laisse mon habit pas toi seul. Laisse mon habit pas toi seul. Quand les gens ont commencé à bavarder, il a dit que laisse mon habit pas toi seul. Quand la lumière est revenue, on a vu que c'est le poignet qui a arrêté son habit. Le gars a eu la honte. Il a pu pleurer. Et comme ce n'est pas fini, déplacement maintenant pour le village. Départ pour le village. Et vous savez, chaque temps quand il y a toujours des ordres. Hein? Il y a des ordres que j'ai payé, je n'ai pas payé, j'ai payé, je n'ai pas payé. Mais il va nous gâter le truc. Et c'est moi. Et pendant que le DJ cale la chanson, c'est un groupe qui fait très mal en ce moment et qui ont presté, c'est un groupe qui a presté dans plusieurs plateaux internationaux. Ils sont là, ils ont fait le placement, mesdames et messieurs. Et je vais voir, n'est-ce pas, une de ses filles. Revita, allez Yannick. Bonsoir à tous. Moi c'est Revita. Pratiquement tout dans vos traditions sur Hollywood, TV5 Canal bien international. Et dans ma salle aussi des gens clignotants. Voilà mon père là-bas. Ici je vais faire Ben Tikin. Un petit Ben Tikin. On va danser au rythme du Ben. Ok. Regarde autour de toi. Quelqu'un qui me ressemble. As-tu trouvé celle-là qui se sacrifie pour toi? Titi, balance le sang. Regarde autour de toi. Quelqu'un qui me ressemble. As-tu trouvé celle-là? Celle-là qui se sacrifie pour toi. Pour toi qui a dit en vrai, qui a en tant que moi, qui te l'est pour Dieu. Celle-là qui va tout donner pour toi. Souris autour de toi.
Vous ne répondez pas ou quoi? On a love, love, love. Tout le monde, donc on a l'homme dit pas, mais encore une fois, love, love, love. On a love, love, love. Bon, c'est vrai que c'est le deuil, mais pour cette chanson, on va s'élever. Maman, les bons, ça va nous arranger un peu. Les bons, nous, on va faire un petit show ensemble. Hein? On reste pas assis. Hein? Allez-y, allez-y. On a love, love, love. On a love, love, love. On a love, love. L'homme dit pas mais. Tu es là, 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 t
êtes béni entre tous les congélateurs. Elle n'est d'une machine, a longtemps souffert dans les cuves et dans les cités. Aujourd'hui, tu t'assieds à la main droite de tous les mamans du monde entier. Ne nous livrez pas chez les agresseurs, mais protège-nous contre les caniveaux. Car c'est à toi qu'appartient la Guinness, la musique et la gloire pour les cercles des consommateurs. Tout la police est pas sourde. J'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Entre le père et la mère, qui doit souvent sans se laver? Hein? Pardon? Non, 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 je confirme, non. Entre le père. Entre le père et la mère, qui doit souvent... Cette fois-ci, c'est la mère. Cette fois-ci, c'est la mère. Souper entre le riche et le pauvre, qui a peur de la mort. Hein? Entre le riche et le pauvre, qui croit souvent en Dieu. Hein? Ce qui m'énerve ici en Afrique, surtout au Cameroun, quand il y a toujours des les gens cherchent comment ils vont toujours avoir l'argent. Parce que comme je vous parle de l'histoire qui s'est passée à Ezeka. Le train qui a déraillé, ça tue beaucoup de Camerounais. Ce jour-là, il y avait au moins 500 blessés à côté. Au moins 70 morts. Le ministre est descendu ce jour-là, avec sa suite, avec les délégués, tous ces gens-là. Ils ont dit, mais pour aider tous ces gens qui ont perdu ce problème, ils vont donner un don. Donnant deux. Ils ont dit bon. Donc on va remettre l'argent à chaque famille. Bon, on va remettre 700 000 à chaque blessé. Mais on va remettre 7 millions à chaque corps. Quand il a parlé comme ça, il n'a même pas fini de parler. Imagine tout cela. Pour aller là, il y a les morts. Imagine tout cela. C'est là, alors qu'un mort s'est levé, j'étais mon frère. Pas comme ça. Papa, nos millions là, c'est compté. Il y a la fondation qui veut lancer chez moi. Tu peux me suivre sa peur de mourir. Et de là, j'avais un coup de main. C'était bon, on a perdu pour moi, s'il vous plaît. Bon, appelez-moi Cascotte, le don qui le roi. Je vous remercie, s'il vous plaît. Moi, un père, parce que dans le début, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Je vais comme ça vous présenter. Je veux qu'on ait présenté plus Massa Poissal. Si tu sors avec une fille, elle te crée des problèmes, vous vous séparez. Une semaine après, on t'annonce qu'elle a gagné 600 millions. Quelle sera ta réaction? J'ai demandé ça, j'ai posé cette question l'autre jour. Un cousin a dit, oh grand frère, ce que moi je vais lui dire que je suis enceinte d'elle. Nous sommes les amis de Ledoux, nous sommes les collègues de Chantaco, nous sommes les amis de Laura de Sims Black. Elle est où Laura de Sims Black? Nous sommes venus dire au revoir à la maman. C'est notre grande sœur. Quand on commençait cette affaire en 2000, elle disait petit frère, foncez. Voilà ton collègue là-bas en rouge. L'une des choses que je n'ai pas aimé à ce deuil, tout m'a plu, sauf une seule chose. Les gars pètent trop ici. Ouch! Quartier des pécheurs. Vous avez remarqué que je me suis levé au moins trois fois ici. Un gars pète à côté de toi, il se lève, il passe. C'est 5 minutes après que ça commence à sentir. Sécurité.
Mais quand là, on peut casser nos appareils. C'est lui qui me dira, reste là, il ne passe pas à côté. Bateau, juste ma bonne voix. Alors, si c'est un moment où vous venez, je vais sur mais d'accord, mais ça là où il n'y a pas l'argent, comme ça, après, quand il va retirer, il va être seul. J'ai mal parlé. La boisson est bien. Voilà ma cousine qui a compris que quand tu ouvres le bar en décembre, tu vends bien. En décembre dernier, elle a demandé à toutes ses copines, s'il vous plaît, cherchez-moi le bar, je vais ouvrir. La monnaie à pourquoi à mon trou, il y a que des fous qui viennent. Tonton, assieds-toi. Aidez-moi, c'est... Alors, ma cousine a demandé à ses copines, cherchez-moi une boutique libre, je vais ouvrir le... On a fouillé tout Douala en décembre dernier, on n'a pas trouvé de boutique libre. Le seul endroit où il y avait encore un espace libre était en face du cimetière de Dé. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Cimetière de... On appelle ma cousine, on lui dit... Bibiche. Voilà la boutique qu'on a trouvée en face du cimetière de Deido. Déterminée à ouvrir son bar, elle n'a pas laissé l'opportunité. Elle est venue, elle a installé son congélateur, le ventilateur, elle charge la boisson. Le lendemain, elle ouvre le bar. Est-ce que le client est passé? Non. Deux jours après, le client passe. Non. Elle se lève et dit, mais c'est pas possible. J'ouvre le bar et personne ne passe chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? On lui a proposé un nom. Le bar des vrais amis. Elle est allée voir un peintre. Le peintre a écrit sur la plaque le bar des vrais amis. Elle vient, elle colle la plaque sur le bar. Le lendemain, elle ouvre. Est-ce que quelqu'un passe? Non. Après, elle a dit, mais c'est pas possible. Je suis en face du cimetière. J'ouvre mon bar et personne ne vient. Moi-même, je vais donner le nom de mort. Non. Elle est allée voir un peintre. Elle dit au peintre, mon frère, voici ce que tu as écrit sur la plaque. Ici, là, c'est plus mieux qu'en face. Ici là c'est plus mieux qu'un. Dès que le prêtre a écrit ça, le peintre a écrit ça sur la plaque. Elle vient le temps de clouer la plaque sur le bar était plein. Elle a vidé tous les clients de Dedo. Les autres barman de passage ont vu comment le bar de la femme était plein. Ils ont levé les yeux, ils ont aperçu en haut. Ici là c'est plus mieux qu'un. Les gars ont compris que c'est la stratégie que la femme a employée pour avancer tous les clients. Eux-mêmes, ils sont partis voir un autre peintre. Ils ont passé la commande d'une plaque. Le peintre a écrit sur la plaque. Les gars sont venus avec la plaque collée sur la barrière du cimetière. Qui était en face du bar de là? Qui était en face du bar de là? De la femme. Gabo! Comme ça, hein? Donc, critique, vous venez vous m'abandonner, vous. Ah. Il y a des conseils dans le talent ici, mon Dieu. Voilà, voilà, c'est lui qui pense avoir des prix. Alors, bon, ça, les spectateurs. Gabo, les gars sont allés commander leur part de plaque. On a écrit. Ils sont venus coller leur plaque sur la barrière du cimetière qui était en face du bar de la femme. Vous savez ce qui était mentionné sur leur plaque? Tous ceux qui boivent en face sortent d'ici. Imaginez la course au bar. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? C'est comme ça que Popol, du retour de Vormeca la semaine dernière, il est dans sa voiture derrière, le chauffeur est en train de rouler. La pluie descend. Le chauffeur n'a plus une bonne visibilité. Il a donc commencé à rouler lentement. Popo, en balançant la tête, étant dans la voiture derrière, il lance les yeux à 1 km. Il aperçoit une grand-mère. La maman avait un sang de près de 100 kg sur la tête. Elle marchait comme ça sur la pluie.
C'est là où Popo l'a dit à son chauffeur fiston. Ça, c'est une occasion à ne pas rater. On va aider les gens. Dès que tu arrives auprès de la grand-mère, tu te gares autour de toi. Tu sors, tu lui demandes ce qui ne va. Dès qu'il arrive auprès de la grand-mère, il se gare. Il va vers la grand-mère, il demande, maman, qu'est-ce qui ne va? Comme le sang pesait trop, la maman n'a pas pu parler. Le chauffeur a donc décidé de prendre le sang de la grand-mère et laisser à la malle arrière. Il a demandé, maman, entre dans la voiture, on va te secourir un peu. Vous savez qu'elle ne peut pas entrer où il y a le père. Elle entre à la cabine. Dès qu'elle entre à la cabine, les vitres sont fumées. Elle tourne la tête, elle ne voit personne. Le chauffeur entre et demain, il continue la route. Pendant le parcours, il a posé la plus belle question à la grand-mère. Maman, je dis, hein, tu disais qu'elle est même ton vrai problème. Au point où une grand-mère comme toi de près de 90 ans, tu es sur la pluie à 20 ans de près de 100 kilos. Quel est même ton problème? C'est là où la grand-mère a répondu, mon fils, laisse seulement comme ça. N'est-ce pas pour bien gâter le pays? Tu es à la place de Paul Biya, tu continues avec elle ou elle descend? C'est bien, je suis un garçon qui a tellement pris les femmes mariées dans sa vie. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas seul, c'est le dernier et puis je pars. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour moi. Gâteau, le signe de ce soir-là, Rita, c'est pas bon. Je peux pas venir à un show, tous mes gars jouent les farotes. À mon tour, c'est le fou qui aime de l'argent. Vous pensez qu'avec ça, on peut progresser comment? Malheur, c'est pas un fou, c'est pas un fou, c'est pas un fou. Mon ami, c'est un fou, vous êtes les malades ici. Mon gars, c'est un fou. Le seul farouteur de la soirée. Le seul garçon qui a tellement pris les femmes mariées dans sa vie. Samedi de il y a deux semaines aujourd'hui, ma voisine d'en face, qui se prénomme Chantal, pas Chantaco. Elle a pris le pain. Elle a tapé l'ampoule, elle a enlevé là. Moi j'étais encore nu corps dans la chambre. Dans l'obscurité, j'ai cafoué mes vêtements partout, je ne l'ai pas. Il fallait donc que je cherche là où je devais me cacher dans la chambre. Le seul endroit où il y avait encore un espace dans la chambre de Carlos était aux cheveux d'Élie. En anglais, on appelle ça que te couture. Je suis allé aux cheveux d'Élie me tenir comme ça, nu corps. Sans savoir que l'endroit que j'ai choisi pour me cacher, c'est là où Carlos a déposé son poste radio. Chaque soir, quand le gars rentre, lance la main, il attrape la tête du poste radio, il commence à capter pour suivre. Me voilà aux cheveux du lit comme ça, nu corps. Le gars arrive, il toque, sa femme se lève et il ouvre. Il entre, il allume, ça ne donne pas. En venant, il avait bu, il était sous. Il s'est jeté sous le lit. Et comme Carlos ne dort jamais sans suivre les informations, même dans l'obscurité, il a pris la main droite qu'il a lancée aux cheveux du lit. Il a commencé à fouiller la tête de son poste radio. Je suis aux cheveux du lit, je vais parler. Le gars fouille, il fouille, il fouille. À un moment donné, il a récupéré mes affaires. Et quand il a pris ça, comme il avait trop confiance à sa femme, il avait su que ce sont les affaires de quelqu'un qu'il a en main. Le gars a cru que c'était la tête de son poste radio qu'il a récupéré. Il a commencé à tourner du côté gauche. Je suis aux cheveux du lit, je vais parler. Bon Dieu. Le gars tourne, il tourne, il tourne. Quand ça chauffait très fort, j'étais obligé de faire comme une radio qui a perdu les ondes. Déterminé à suivre son journal, il est rentré du côté droit. Il tournait brutalement.
À la fin, je devais faire comme le journaliste Billy Christian, que je demande qu'on acclame très fort pour lui, s'il vous plaît. Le correspondant de Africa 24 au Cameroun. C'est que toi, Billy Christian. Je me suis levé, j'ai fait comme ce journaliste, mesdames et messieurs. Le journal que vous voulez écouter ce soir est porté pour demain à 20h. Voilà. Il s'appelle Massa Provincial.